est à notre collègue Évelyne Corbière-Naminzo pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur Gabriel Attal, Premier ministre. Vous avez annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la quatrième depuis qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017. Face au déficit, vous cherchez 50 milliards d'euros et plutôt que de rétablir l'ISF et taxer les super-profits, vous cherchez encore une fois à faire des économies sur le dos des pauvres. Non, monsieur le Premier ministre, envisager une réduction de la durée et du niveau d'indemnisation, ce n'est pas inciter les gens à reprendre le travail. Le chômage n'est ni un choix, ni un confort. Il est toujours le résultat d'un accident de vie. Éloignement des bassins d'emploi, saturation du marché du travail et discrimination à l'embauche sont autant de problématiques qu'il faut régler en priorité. Le chômage ne s'explique pas par un prétendu attrait pour l'assurance chômage. Les chômeurs connaissent en réalité une double peine, celle des sentiments d'exclusion, d'inutilité et celle de la précarité. 35% des chômeurs sont touchés par la pauvreté. Ceux-là sont 2 à 4 fois plus nombreux en Outre-mer. Celles-ci sont aussi des mères à la tête de familles monoparentales et bien souvent sans solution de garde, que vous allez, en contradiction totale avec les recommandations de la délégation aux droits des femmes, encore précariser. Dans un contexte d'inflation, de cherté de la vie et de crise du logement, les ménages les plus modestes doivent chaque jour choisir entre se loger et se nourrir. Appauvrir ces Français précaires, c'est engendrer encore davantage de dettes locatives et d'expulsions. Comme l'a rappelé la secrétaire générale de la CFDT, le régime d'assurance chômage ne saurait être une variable d'ajustement budgétaire. J'ajoute que les chômeurs ne sont ni responsables du déficit, ni responsables de votre incapacité à gérer le budget de l'État. Alors allez-vous, au lieu d'appauvrir les chômeurs, permettre à tous nos concitoyens, en emploi ou privés d'emploi, de vivre dignement? Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail, madame Catherine Vautrin. Merci monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Corbière-Naminzo. Madame la sénatrice, je voudrais répondre à votre question en commençant par votre dernier commentaire parce que je crois que nous pouvons partager la fin de votre commentaire. Et précisément, la stratégie portée par ce gouvernement, c'est de sortir les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui au chômage pour les amener vers l'emploi. Parce que la seule émancipation, c'est précisément l'emploi. Et là encore, je partagerai le constat qui est de dire que l'un des premiers sujets, c'est de traiter les difficultés, qu'elles soient celles du logement, qu'elle soit celle de la garde d'enfants, pour ne prendre que ces deux exemples. C'est précisément le sens de ce qui a été fait avec France Travail, qui a pour objectif de recevoir les bénéficiaires du RSA, de faire avec eux un bilan de leur situation pour précisément commencer par régler le sujet du logement, le sujet de la garde d'enfants, avec notamment les crèches à vie, ces crèches à vocation d'insertion qui permettent aux demandeuses d'emploi de déjà faire garder leur enfant pour ensuite aller vers la recherche d'emploi. Ensuite, c'est de leur permettre une immersion pour les former et enfin d'aller vers le travail. Et la nouveauté avec France Travail, c'est que les accords qui sont conclus par France Travail avec les entreprises permet cette immersion en entreprise et permet donc de favoriser l'inclusion dans l'entreprise. Donc vous le voyez, à la notion de chômage de masse, nous opposons la notion de retour à l'emploi. Pour cela, bien évidemment, il y a un financement qui est un financement qui vient de l'UNEDIC. Mais l'assurance chômage, madame, pourquoi est-ce qu'elle est redevenue bénéficiaire? Précisément parce que 2,5 millions de Français ont retrouvé le chemin de l'emploi. Donc ne confondons pas les ajustements budgétaires et la réalité du travail. Ce sont deux sujets complètement différents. Un seul objectif, l'accompagnement de nos concitoyens et bien évidemment l'attractivité du pays. La parole est à notre collègue Bruno Belin pour le groupe Les Républicains.